Hello Harry Pony et bienvenue sur Call of Pony en compagnie de votre Pégase préféré, Rainbow Dash. Et aujourd'hui, on se retrouve avec du très lourd parce qu'on se trouve avec Ace Combat Assault Horizon. Alors, Ace Combat Assault Horizon, c'est donc un jeu... comment vous le décrire? C'est un jeu de... on va dire de... De bataille d'avion, voilà, de bataille aérienne. Typé simulation ou arcade, moi je dirais arcade personnellement. En fait, si je devais le décrire, vous prenez du Battlefield, du Call of, je sais pas, vous mélangez les deux, vous foutez ça dans les airs et ça vous fait du Ace Combat. Voilà, avec des musiques bien rock, bien métal en fond sonore pour donner un peu de pulse à tout ça. Donc on va arrêter de tergiverser, on va lancer tout ça, je pense que je vais aller dans mission libre. Je vais me mettre en pilote parce que je suis un pilote. On va choisir une mission. Je suis en train de me demander quelle mission on va choisir parce que... j'ai fini le jeu tout récemment et je vous avoue qu'il y a beaucoup de missions qui sont excellentes en fait. Genre celle de Dubaï, elle est énorme. Il y a la mission de fin qui est excellente, mais bon. Allez, on va faire la mission de Moscou en Russie. Je vais quand même vous passer la cinématique d'intro, je pense. J'espère qu'on va me laisser le choix de mon appareil. Parce qu'il y a des fois, il y a des missions en fait où on nous laisse le choix de notre appareil ou pas. Ok, là, il me demande de choisir mon kit de compétences. Modifier compétences. Ah, mais ça y est, je peux les acheter! Ok, alors attendez. Mitraillette améliorée, missile amélioré. Augmente la puissance de vos missiles, ajoutez cette compétence à votre emplacement FAS pour la partager. Ah, c'est bien ça. Missile supplémentaire. Ah, moi je prends ça, moi. Ah ouais. Missile supplémentaire, ok. Par contre, je sais pas. Ah, j'ai beaucoup de points en fait, c'est énorme. Augmente la puissance de vos lance-roquettes. Bon, écoutez, pour l'instant, je vais augmenter que ça, on verra bien. Hop. Et nous allons prendre évidemment le F-14 Tomcat et on va le mettre aux couleurs de Top Gun, les amis. Et on va prendre le Six Missile. Missile supplémentaire, voilà, c'est bon, c'est parti. Alors on va lancer tout ça, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vous préviens, moi je vais être à fond dedans parce que ce jeu, je vous jure que quand on est à fond dedans, il déchire. Allez, c'est parti. Envoyez des secours, on a un grand nombre de blessés. Aux unités alliées. Envoyez des secours médicaux. Bon, j'espère qu'on va avoir une belle bataille aérienne. Je vous laisse un peu apprécier l'ambiance sonore parce que je vous jure que l'ambiance sonore et vos sont pesants de cacahuètes. Allez, c'est parti. Ah, je vous laisse un petit peu apprécier, voilà, le F-14 de Top Gun. Regardez-moi ça. Si ça c'est pas la classe. Oh, attention, c'est parti. C'est parti, allez les amis. On va aller attaquer tout ça. Ouais, t'inquiète pas, on va les défoncer leurs missiles. Oh non, un missile de moins. Allez, c'est parti. Warwolf, bien compris, Magic. Gut, visez les missiles. On va attaquer ce missile là. J'ai pas eu le temps de le prendre en chasse. Allez. Ah, j'arrive pas à le récupérer. Il va falloir que je fasse un demi-tour serré. Et c'est parti. Bien compris. Allez, c'est parti. Je vais essayer de le prendre en chasse. Allez. Ah, c'est parti. Voilà, magnifique. Avec un petit effet bullet time bien sympa. Allez, faut qu'on continue de les péter ces missiles parce que sinon. Ah, je me souvenais plus que c'était cette mission là. Allez. Là, je vais prendre mes 6 missiles. C'est parti. Olé. Vraiment. Voilà, nickel. Parfait ça. Ça, c'est bon. Allez, on continue. On va enchaîner tout ça. Je le prends en chasse. Voilà, magnifique. Allez, on va continuer tout ça tranquillement. Bien reçu, capitaine.
Point reçu. Je changeais un peu de vue, vous appréciez un petit peu le F-14, qui est un avion qui pue vraiment la classe, n'empêche. Ouais, j'en ai eu un. Tu vois. Attention. On va attaquer celui-là. Ah merde. Saloperie. On les prend l'un après l'autre, Guts. Ils doivent pas atteindre leur cible. Saloperie de missile. Attention. On prend chasse. Ah la bisou. Cible abattue. Allez, un dernier missile, je pense que ça devrait aller. Missile de croisière à tenue. Aïe 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 aïe. Allez, 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 un peu de courage, un peu de courage. On peut le faire, on peut le faire. Voilà, normalement c'est bon, là c'est fini. Voilà, magnifique. Warwolf, tous les missiles ont été détruits. Les renseignements russes demandent s'il y a des missiles en portée une Trinité. Ah, je vous laisse un peu apprécier. Regardez les ailes qui se déploient, c'est excellent. Allez. Explosion secondaire. Bien compris. Bon, est-ce que maintenant on va attaquer des avions, ce serait cool. Ah, d'autres appareils, attention. Qu'est-ce que c'est? Ah ah, des MiG-29. Oh, des bombardiers, bah c'est parti. À l'attaque. Vous inquiétez pas les amis, on va leur mettre une branlée. Excusez-moi, j'arrive pas à trouver mes mots. Oh, TU-160, ok. Ah bah ils peuvent arriver, y'a pas de problème, c'est pas ça qui me fait peur moi. Allez, boum. Regardez-moi ça. Ouh, il a pas aimé. Oh, il a pas aimé du tout. Ah, je quitte la zone de mission, ça serait cool. Allez, go. On enchaîne. Bisous. Allez, à l'attaque. On va essayer de lui tirer dans les réacteurs. Ouch. Ah, apparemment, je vais être pris en chasse. Non, c'est bon, j'ai pas été pris en chasse. Ah si, si, je suis pris en chasse, regardez la flèche. La flèche verte, c'est-à-dire que je suis pris en chasse, donc là je vais essayer de faire une esquive. Ouais, esquive. Olé. Toi t'es à moi. Et voilà, bisous. Oui, donc ce jeu il est vraiment excellent quoi, je veux dire, vous avez vu les... On est vraiment à fond dedans, vous voyez, il est tellement bien fait que... On est obligé d'être à fond dedans quand on joue à ce jeu. Dans les réacteurs. Deuxième réacteur, voilà, hop. Oui, les bombardiers, pour les péter, faut tirer surtout dans les réacteurs, ça leur fait beaucoup plus de dégâts. Allez, encore deux. Je vais le prendre en chasse, voilà, je le prends en chasse. Voilà, boum, deuxième réacteur, boum, voilà, bisous. Allez, plus qu'un, le voilà, il est en face. Ah, je crois que je vais être prêt, putain, je suis prêt en chasse. Attention. Je vais essayer de vous montrer ce que ça fait. Olé, wouhouhou. Allez, on le reprend en chasse. Bisous. Oui, donc comme je vous disais, c'est plus arcade, hein, évidemment, ça se voit. Hein. Bon, allez, on va péter le dernier bombardier. C'est parti, Mach 2. Ah, je vous avoue que j'aime vraiment ce jeu. Il est génial, quoi. Allez, lui, je le démonte. On prend en chasse et voilà, fini. Comment on l'a démoli, n'empêche, c'était magnifique. Destruction des bombardiers confirmés. En tout cas, je suis très content de vous refaire une vidéo. C'est vrai que ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Waouh, je me fais attaquer. Ah, ça c'est pas cool ça. Attention. Les bombardiers russes attaquent toujours par vague de 6 d'habitude. Bah, il est où le dernier? Warwolf leader, Amatic. Est-ce que vous voyez un autre bombardier dans les... Apparemment, il y a un autre bombardier. Attention, faut qu'on reste sur nos gardes, je vais me remettre en vue cockpit. Attention. À tous les appareils alliés, on cherche des hostiles volant à basse altitude. Ça se trouve, il va arriver au dernier moment. Toi, t'es mort. Oh, voilà. Ok, d'accord, le voilà. Le voilà. Attention. Oh, c'est Markov. Ok, c'est Markov. Alors, Markov, en fait, je vous explique, c'est le... C'est l'ennemi principal du jeu en fait. Oh là, il m'a envoyé un missile. Oh, quel enfoiré! L'état-major russe veut qu'on protège le Kremlin à tout prix. Empêchez le bombardier de se déplacer dans la zone cible. Boum, un de moins. Cancel. Ah merde. Ignorez son escorte. Oh putain! Esquive. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à l'esquiver. Par contre, là, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai plus beaucoup de vie. Ça, c'est pas cool.
Oh putain, je suis mort, ouais. Ah, il est pas si facile que ça comme jeu, il a une certaine difficulté assez violente. Bon, on va essayer de quoi ? On va essayer de pas faire les gros marsouins. Je vais garder mes missiles. Et je vais aussi d'esquiver de ceux de Markov. Je vais faire ce que je peux. Donc Markov, on va l'éviter. Hop ! Voilà, ça c'est beau. Et nous, on va foncer sur le bombardier, sur le TU-60. Eux, on s'en fout, on les laisse passer. Voilà. Allez, hop ! Magnifique. C'est bon, je l'ai eu. Magnifique. Maintenant, on attaque Markov. Allez, Markov. On y va. Toi, t'es à nous, Markov. Il a réussi à m'échapper, sans foirer. Vite. Je vais essayer de le prendre en chasse. Voilà, c'est bon, je l'ai. Alors, Markov, en fait, il s'appelle le requin. C'est vraiment un putain de pilote. Ah, quel enfoiré. Alors là, vous pouvez croire que c'est un vol assisté, mais non, hein, faut vraiment que je dirige mon avion parce que moi, en fait, j'ai désactivé le pilote assisté. Donc en fait, faut vraiment que ce soit moi qui dirige mon appareil. Waouh! Ah, cet enfoiré, il m'esquive bien. Allez, Markov, tu m'échapperas pas. Ah merde, je vais le perdre. On va changer les... Ok, il va passer derrière. Ok, il me prend en chasse, ça c'est pas cool du tout. Voilà, là je vais l'esquiver, je vais repasser derrière. Ouais. Magnifique. C'est bon, je suis repassé derrière lui. Par contre, j'arrive pas à l'avoir là. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Allez, un petit Sonic Rainboom. Wow. Quand je vous avais dit que c'était très nerveux. Wow. Attention. Putain, j'arrive pas à l'avoir, c'est incroyable ça. Il est vraiment bon. Oh la vache. Allez merde, il va repasser derrière, sans foirer. Je vais essayer de l'éviter comme je peux. Esquive. Allez, à l'attaque. Allez. Yes. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis Rainbow Dash, mon sang. Meilleur pilote? Meilleur voltigeur de tout Equestria? Après tout, je fais partie des Wonderbolts, hein, attends. Capitaine des Wonderbolts, vous croyez quoi, là? Oula! Là-bas, il y a une explosion nucléaire, apparemment. Oh, c'est beau. Eh ben, dis donc. Regardez-moi cet avion, quoi. Ah là là, tellement classe. Je vais ralentir un peu ma cadence. Voilà. Je crois que c'est la fin de la mission, je suis pas sûr. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est la fin de la mission ou pas? La mission est terminée. Ah ouais, voilà. Ouais. Bien reçu. Et ben voilà. Allez, let's go. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est fini. C'est vraiment fini? Non, je crois pas. Mission accomplie. Ouais. Alors que non, c'est pas fini, hein, évidemment. Voilà, je vais pas trop vous spoiler le jeu, mais c'est vrai qu'il se passe encore des choses. Ouh, bah dis donc. Eh ben. Bon, en tout cas, j'espère que cette première vidéo sur S-Combat vous aura plu, parce que oui, je compte faire plusieurs vidéos sur ce jeu, parce que voilà, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Voilà, je vous ai fait une petite mission assez rapidement pour vous mettre dans le bain et pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais ouais, c'est vraiment surpuissant. Vous avez vu les combats, les jets, les... En plus, le jeu, bon, évidemment, les textures au sol sont très très moches. Hein. Je sais pas si vous avez le temps de trop voir, mais les textures au sol sont moches. Mais les avions et puis les combats dans les airs, c'est tellement incroyable. Les musiques sont énormes, vous l'avez entendu, hein, l'ambiance sonore, elle est excellente. Bref, pour tous gens qui aiment la vitesse, qui aiment l'adrénaline, ce jeu, il est pour eux, quoi. Puis même si vous êtes... Je vais dire un truc débile, mais... Si vous êtes fan de Rainbow Dash, bah, je peux vous assurer que Rainbow, c'est le genre de jeu qu'elle aimerait, mais à mort, quoi. C'est vraiment... Voilà, faut vraiment être le meilleur. Si vous êtes le meilleur, vous avez vu, j'ai fait une erreur, et la seule erreur que j'ai faite, elle m'a été fatale, je suis mort direct. Donc, voilà, c'est...
C'est un jeu que je vous conseille. Vraiment, je vous le conseille, mais achetez-le si vous pouvez. Achetez la clé Steam ou je sais pas, attendez des soldes. Mais il est vraiment énorme. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo sur Ace Combat Assault Horizon. Je compte vous faire d'autres missions sur ce jeu, bien évidemment. Peut-être même quelques parties multijoueurs. Par contre, en multijoueur, je vous le dis honnêtement, je suis pourri parce qu'en fait, le F-14. Le F-14 qui est mon avion préféré, en multijoueur, il se fait un petit peu démonter. Donc bon, on essaiera de faire une partie, mais je vous garantis pas un score de dingue. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis bye bye, à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, mes très chers amis, poney et jument et ponette. Et talons. Bref, voilà. Combattez pour Equestria. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.